crois que la nature, c'est ma première compagne de vie. Je ne me sens pas à côté de la nature, je me sens dans la nature. Mon rapport avec la nature, c'est un rapport passionnel. Moi, je suis botaniste pratiquement depuis l'âge de 4 ans. Et cette passion ne m'a jamais quitté. Et cette passion est tellement belle qu'elle m'a consolé de tous les chagrins que j'ai eus dans la vie. Pour moi, c'est de la temporalité, en fait. Ce lien-là, il est ancré par rapport au paysage, à ce qu'on voit, aux odeurs qu'on sent, aux bruits qu'on entend. La nature, pour moi, c'est tout ça, en fait. C'est tous les sens qui sont figés à un instant T, qui donnent vraiment le temps de la saison. Et donc, ces rendez-vous avec les fleurs et avec la saisonnalité des fleurs, c'est des marqueurs dans le temps, et puis c'est des renaissances annuelles. Primers wex d'artificis d'alabastri, e na primavera qui acaba de nasce, plumais qui escubeta eras darreras pelaucas, encant de raga que xiscla e de risu blanc de neu. Enfin, moi, je guette les fleurs. C'est-à-dire, je vais régulièrement, toujours dans les mêmes endroits. Je vais dans des endroits que je ne connais pas, hein, mais j'aime bien revenir sur des endroits où je sais qu'il y a telle orchidée, où il y a le lys qui va fleurir, où il y a, c'est en même temps des lieux, et puis en même temps du temps. Et ça ponctue l'année. Et puis, c'est cette graduation dans la floraison. Là, ça stagne, puis tout d'un coup, pof, ça éclot. Ah ben c'est très fort. Je veux dire, c'est presque une nécessité, quoi, vitale, quoi. Chaque printemps, je me dis, oh là là, ça y est, ça va commencer, on va pouvoir aller sur le terrain, et puis redécouvrir ces êtres vivants. C'est des êtres vivants, hein. C'est qu'on a un patrimoine qui est complètement extraordinaire, les Pyrénées. Gran suturat, quand cet évaporo est rarusada, qu'en est tout saupicat du oprobo celestial. Precius cuchi de jade des cristaus sacrats. C'est des plantes qu'on cherche. C'est une espèce qu'on cherche dans un lieu, c'est des fois des espèces qui n'ont pas été retrouvées depuis longtemps, avec un travail d'enquête, vraiment d'inspecteur pour aller chercher dans des herbiers, pour aller chercher sur des ouvrages anciens. Parce que les botanistes, ils continuent à chercher le Graal, hein, quand même. Hein. Ils continuent à chercher
la plante que nous, on n'a pas encore identifiée, avec les caractères extrêmement précis, fins, le nombre d'étamines, la forme. Enfin, je veux dire que c'est un monde de cristalliers, quoi, de gens qui cherchent vraiment des veines, qui cherchent des veines de fleurs. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un monde qui est merveilleux. Voilà. C'est tout à fait un jeu, c'est ça. C'est très ludique en fait. Et c'est un jeu mais c'est un jeu infini, c'est ça qui est intéressant. C'est un jeu dont on ne dispose pas de l'ensemble des règles, il se construit au fur et à mesure qu'on observe et qu'on acquiert de la connaissance. Puisque chaque année, le botaniste, il va compléter son panel de connaissances. Et donc, finalement, les règles changent, puisque le nombre d'objets change sans arrêt. On ne trouve pas très souvent le trésor, mais on trouve toujours un trésor. C'est-à-dire que même si on ne trouve pas cette plante, et c'est ce qui arrive, alors, je ne vais pas dire souvent, mais selon les cas, c'est pas toujours facile. On peut imaginer rentrer bredouille. En fait, on rentre assez rarement bredouille parce que on trouve pas l'espèce qu'on est parti chercher, mais on trouve autre chose à la place qui est des fois aussi intéressant, des fois presque aussi intéressant, et des fois même encore plus intéressant que ce qu'on est parti chercher. Moi, ce qui m'intéresse dans la flore, c'est qu'elle me raconte des choses que je ne peux pas voir sans elle. C'est-à-dire que quand je découvre un endroit, je ne connais pas son climat, je ne connais pas la qualité du sol, je ne connais pas les fonctionnements d'eau, de sécheresse qu'il y a sur l'année. Et les plantes me le racontent. Quand je vois une plante, je sais que cette plante-là ne pousse qu'en milieu acide, par exemple. Donc, je vais savoir que le sol est acide, alors que je n'ai pas de pH mètre pour vérifier que le sol est acide. Ce qui est intéressant et puis qui est beau à voir, c'est les communautés de plantes. La façon dont elles s'associent en étant de la même espèce et la façon dont elles s'associent à d'autres. Il y a une sorte d'association sociologique là où on s'entraide, où par contre des fois aussi on cherche à faire partir l'autre. Hein. Ça aussi, il y a beaucoup de parallèles à faire avec la vie des hommes. Hein. Il y a l'étape où on sait la reconnaître dans toute sa variabilité. Parce que quand on a vu un individu d'une espèce,
On est loin d'avoir vu toutes les formes qu'elle peut prendre et être sûr de pouvoir l'identifier, la distinguer de tous ses proches parents et des espèces qui ressemblent. Donc ça peut être une deuxième étape. Non seulement je l'ai vue, mais je la connais. C'est-à-dire que si je la revois, je te reconnais. Je vais m'allonger par terre, je vais prendre une loupe et je vais voir 20 espèces différentes avec des, en regardant d'un petit peu plus près, des espèces qui vont être tout aussi magnifiques que si elles étaient plus grandes, quoi. C'est juste, faut se rapprocher, faut s'allonger, faut regarder d'un peu plus près. Mais ça y est, on a un nouveau monde après qui s'ouvre à nous et tout aussi magnifique, quoi. Et puis celui qui a appris par la botanique, par exemple, à regarder cette plante de plus près en la découvrant avec une loupe, par exemple, juste une petite loupe à main, hein, permet de découvrir des choses incroyables. Alors, c'est pas l'infiniment petit, mais c'est le petit, non accessible à l'œil tout de suite, en tout cas. Et ça, en soi, c'est une expérience esthétique aussi. Et des plantes qu'on trouve banales et pas très jolies, ce qu'on va appeler des herbes folles ou des mauvaises herbes, en les regardant de loin avec un peu de mépris, parce qu'elles n'ont pas une belle fleur de plein de couleurs, et bien, quand on se met à la regarder de près, on se rend compte que le rendez-vous esthétique il y est aussi. On est plongé dans un univers qui n'a rien à voir, qui est complètement différent. Moi, ça me plonge dans de l'esthétique pure, quoi. À chaque fois que je regarde une jourbe arbre, j'ai la même émotion, qui est juste une émotion de beauté, tout court. Une fleur, c'est un miracle. Hein. Un miracle total, quoi. Quand on prend une orchidée, un ophrys, par exemple, c'est totalement stupéfiant. Pourquoi est-ce que c'est beau? Les couleurs, les formes tellement extraordinaires. L'harmonie. C'est harmonieux. «
silenzi, che desveglio è l'umanitat, vestito da rose, aureto, es munardots arrapats che si ajumpon. Aller s'allonger dans l'herbe en montagne, au milieu des fleurs, c'est, je trouve que c'est plus qu'un médicament, hein, c'est une thérapie. C'est, tu vois, c'est ce côté, ça dit rien, ça dérange personne, mais ça peut amener énormément d'émotions, d'équilibre spirituellement, au niveau communication, des leçons voilà, de sagesse, de... Ça apprend, je sais pas, ça incite à peut-être à la délicatesse, à la sensibilité, à l'attention. C'est des mots clés, ça. Hein. C'est tout un tas de choses dont on manque, dont on est peut-être trop déconnecté. Et heureusement que les fleurs sont là pour nous le rappeler de façon bien jolie. La fleur, elle se fane, mais elle apporte... C'est une promesse. Quand elle se fane, c'est une promesse, finalement. C'est une promesse de graine. Et qu'une autre saison va arriver. La fleur, elle va donner naissance à la graine, aux fruits, etc. Et souvent, on se penche... On oublie un peu tout ce cycle-là, mais l'important, c'est pas la fleur. L'important, c'est la graine qui va en découler et qui va donner la suite, quoi. Et cette graine, comment elle va voyager, et où est-ce qu'elle va atterrir, et où est-ce qu'elle va repartir, est-ce qu'elle va pouvoir repartir là où elle va tomber. La migration des plantes, aussi. Ça aussi, le voyage des plantes. C'est formidable, ce voyage des plantes. Ce qu'elles mettent en œuvre pour que leurs graines voyagent, aillent se mettre ailleurs. Depuis des millions d'années, il y a eu des migrations floristiques vers le nord, vers l'Europe, vers la côte cantabrique. Il y a beaucoup de fougères des Açores qui sont venues sur la côte cantabrique. Je vais vous citer un exemple. Une petite fougère tropicale que j'aime bien, que j'ai découverte, qui se trouve dans les Pyrénées centrales, près de Lourdes, et qui est là depuis le Miocène. C'est une petite fougère qui fait 10 cm de haut, elle n'est pas plus grande que ça, et j'ai découvert cette espèce il y a une trentaine d'années. Depuis cette découverte, tous les ans, je vais voir mon ophioglosse, tous les ans, je compte les pieds, je fais des photos, je suis à genoux devant elle. Je l'admire, je lui parle, je suis en admiration. Bon. Je suis retourné voir l'ophioglosse il y a 15 jours. Consternation. Consternation. Honte. Le maire de la commune où se trouve cette petite fougère a voulu faire une piste pour les motos. Alors, la station de l'ophioglosse est grande comme la table qui est devant nous. Maintenant, ça a été passé au girobroyeur. Il n'y a plus un brin d'herbe qui pousse. C'est de la terre. Là, moi, je dis non. Je dis non. On est dans le cas de figure de l'écocide. Le cas d'une plante protégée nationale qui a été... dont la station a été détruite par quelqu'un qui ne savait pas. Alors, pour moi, ça a été bouleversant. J'ai pleuré. Garei des arrocs qui s'estire tanhor, ad sum de rocio turu el judo, que iei taplan, de que de muro sense muda. Adiu tristesso, eratio mirabilius beutat,
qu'esclaire es mieis paisagies interius. Quand tu connais quelque chose, tu le respectes davantage, c'est sûr. Ah oui, ça c'est la base, oui. Tu vois, après, tu n'oses plus des fois marcher sur une pelouse hormis pieds nus. Et tu quittes tes grosses chaussures. Ou... Au fur et à mesure de la connaissance, tu te rends compte aussi de leur fragilité, de leurs limites, même si tu vois leur capacité incroyable d'adaptation, de survie et tout ça. Tu sais aussi qu'elles sont fragiles et que ça a mis des millénaires peut-être à s'équilibrer, à se mettre en place. Finalement, est-ce qu'on a pas une certaine responsabilité, essayer de préserver la diversité que l'on connaît, qu'on a découvert, mais il y a des choses qui peuvent nous dépasser aussi, hein, parce que là, il y a une variation importante dans le temps, avec des extinctions, des diversifications d'espèces. Et donc c'est vrai que bon, faut pas non plus avoir la prétention de tout maîtriser. Je sais pas s'il faut isoler les plantes du reste du vivant. Je pense qu'en fait, tout le vivant, ça fait partie de notre environnement, de notre équilibre, quelque part, de notre héritage aussi, et qu'on se doit bien de bien le connaître, bien le faire connaître, que de faire connaître la diversité de la nature et essayer de faire en sorte qu'on ne prenne pas toute la place. Il y a quand même, quand c'est des gros projets, c'est rarement arrêté par une plante. Très rarement. C'est même rarement modifié par une plante. Quand c'est une station de ski, on détruit des zones pour agrandir une station de ski, il n'y a pas longtemps, hein, juste il y a juste quelques années de ça, alors que c'est bourré d'espèces protégées, plusieurs espèces protégées. Et là, à ce moment-là, on se dit, ça sert à quoi? À quoi ça a servi de protéger des espèces? De mes hus destins, ametisto ad coenor, danzo, suser appena incazzado in bilurs. Comme il disait, tant que le dernier poisson n'aura pas été pêché, le dernier arbre abattu, l'homme blanc ne se rendra pas compte du mal qu'il fait et du mal qu'il se fait à lui-même. Quoi. Si on n'a pas conscience de cette nécessité, mais c'est vraiment... on détruit la planète, quoi, hein, et on y va, hein, et on continue. Hein. C'est parce que ça touche pas seulement les fleurs, les petites fleurs, mais il y a les animaux, il y a... Le milieu, il y a tout. On ne peut pas laisser filer, ça, c'est pas possible. Hein. Mais un pays sans fleurs, c'est plus un pays. Oh non, c'est pas possible. C'est comme une vie sans musique. S'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'animaux. Il n'y a plus d'animaux, ben on a un animal, donc il n'y a plus d'homme non plus. C'est la mort. C'est la mort. La nature a inventé... c'est une invention extraordinaire, là. Les plantes à fleurs. C'est récent, hein. Bon, on est complètement comme ça avec les plantes à fleurs. On ne peut pas vivre sans les plantes à fleurs, c'est pas possible. C'est inimaginable de vivre dans un monde sans fleurs. C'est la mort. Auburis delicats, bert blavet, nervaduros imprimidos caniezet su, de per darrera seros in sgarrots brullants, que sbarreian escos de raspeiros.
je vais avoir du mal à avoir des arguments parce que c'est à l'inverse, j'ai une incompréhension de pourquoi on détruirait, pourquoi ça me semble complètement insensé quoi en fait au bout d'un moment. Que pour ceux qui ne mettent pas ça en avant ou pour qui la préservation de l'environnement naturel n'est pas important, j'ai l'impression d'être un extraterrestre par rapport à eux, ou inversement que c'est des extraterrestres par rapport à moi. En fait, on a une incompréhension et j'ai du mal à imaginer des fois. La beauté dans notre vie quotidienne, elle nous sauve si on a ce sens-là, et puis si on prend le temps d'avoir ce regard aussi, et puis cette sensibilité, parce que c'est pas que les yeux. Moi, je pense que ça sauve déjà individuellement de beaucoup de misère, la beauté à titre individuel. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à fédérer, à ce que les gens aient accès à cette beauté, et cette beauté, elle prend quand même du temps. L'accès à la beauté, ça prend du temps. Et je ne sais pas si on est dans un monde dans lequel tout le monde est prêt à prendre du temps pour ça, à ralentir pour ça. Mais il ne faut pas que ça mette plus de temps à émerger que le monde mette de temps à se fracasser. Mais il faut donner l'envie, et la beauté fait envie. Sous-espèce longifolia, Pingucula longifolia, Ramonda miconi, Ranunculus carinaica, Draba incana, Festucaria, Androsa cordifolia, Lobularia cordifolia, Pyrenaica, Pingucula longifolia, Sacrolaga, Drosera longifolia.